La présentation suivante va être donnée par Leonid Edvokimov. Ça va parler de la bataille entre la Russie et Telegram, note technique sur la bataille. I'm greeting all the creatures in this hall. Bonjour à toutes les créatures dans ce hall et dans le cyberespace qui nous écoutent et à toutes les personnes du futur qui m'écoutent à dire ça. Mon nom c'est Leonid Edvokimov et mes qualifications importantes pour cette présentation sont les suivantes. D'abord, j'aime les protocoles Internet et j'aime bien mesurer les réseaux en me basant sur les protocoles. Je ne suis pas un membre de l'équipe Telegram, donc je n'ai pas d'informations intérieures. Mais par contre, je suis un utilisateur de Telegram, je l'utilisais beaucoup. Et quand la bataille a commencé, j'étais très déçu. Et j'étais assez déçu pour essayer de faire quelque chose. Mais avant de décrire cet incident avec Telegram, je veux donner une espèce d'aperçu du paysage Internet de la Russie. Ça vous donnera peut-être du contexte qui pourra vous aider à prévenir des conclusions un peu hâtives. Donc tout d'abord, le segment Internet russe, c'est un développement assez rapide sur le frittage. Il y a eu des développements les quatre dernières années. C'est en mai 2007 que le premier document juridique de censure de l'Internet a été produit, quand le tribunal a obligé quatre fournisseurs d'accès à supprimer l'accès à des sites web qui contenaient du contenu extrémiste. C'était des petits fournisseurs d'accès, donc relativement peu d'utilisateurs ont été affectés, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc ce qu'on utilisait comme base légale, c'était la liste fédérale de matériaux extrémistes. Mais cette liste était assez mal tenue à jour. Donc par exemple, on a exactement ça dans la liste. Un document texte qui s'appelle terrorisme dans le dossier commande numéro 1 sur le disque numéro 1. Voilà, c'est l'entrée dans le registre tel quel. Donc la liste n'était pas très utile dans le but du monitoring et du blocage automatique de contenu. Un événement assez notable à cette époque, c'est un acte de résistance numérique par Maxime Moshkov. Maxime est un cyberlibraire de la plus ancienne librairie en ligne russe. Une des sections de celle-ci s'appelle Samizdat, ce qui signifie autopublié en russe. Et ce journal Samizdat hébergeait des contenus créés par les utilisateurs. Une fois que le domaine a été ajouté à cette liste de matériel terroriste, ce qui n'était pas une surprise parce que les anciens soviets savent que le Samizdat c'est la désobéissance civile assez extrême. Donc Maxime a décidé de rajouter un peu de piment et a transféré le domaine au ministre de la Justice russe. Donc il a fait pointer le domaine du Samizdat sur le ministère de la Justice. Ce qui a causé, bien entendu, une certaine inaccessibilité du site du ministère. Donc, la blocklist moderne. La blacklist moderne est apparue en 2012. C'est une loi qui a été mise en place pour protéger les enfants de 0 à 100 ans contre les drogues digitales, la pédopornographie, et pour mettre en place des protections contre le suicide. Alors, la plupart des grands sites ont protesté, mais le Parlement s'en fichait un peu. Et la loi a été signée un samedi par le président. Donc, c'est maintenant que le président travaille le samedi. Alors, à quoi ressemble cette nouvelle liste? C'est un fichier XML qui est signé par une signature digitale en utilisant la cryptographie Ghost. Et ce bloc de fichier XML et la signature est enveloppé dans un autre XML puisque le fichier est récupéré par un protocole SOAP. Ce fichier est publiquement disponible et il y a même des API pour tester. Dans les sens, ce qu'il faut retenir, c'est que les fournisseurs d'accès Internet contrôlent en eux-mêmes les équipements de filtre et ont dû l'acheter. Le Roskomnadzor se contente de maintenir et de monitorer le niveau d'obéissance des fournisseurs d'accès. Donc, on a tout de suite eu des éléments assez rigolos. Par exemple,
Absurdopédia, la version russe de Encyclopédia, a été bloquée pour des thèmes liés au suicide. And some brave creature decided. On a aussi des contenus commerciaux qui ont été bloqués. Et bien sûr, à un moment donné, quelqu'un a décidé de mettre en ligne la blocklist sur GitHub. Donc, après la première publication de la liste de la blocklist, GitHub et SourceForge ont eu une copie de cette blocklist. Et cette copie a été gardée à jour pendant des années. D'ailleurs, elle est toujours maintenue à jour. Alors, je ne sais pas qui c'est qui maintient cette blocklist, mais ce document, ce repository sur GitHub, c'est la seule façon que moi j'ai d'accéder à cette blocklist depuis plusieurs années. Il y a aussi un autre incident amusant. Dans ce même mois, plusieurs des sources de Google ont été bloquées pendant une journée environ. Mais bon, qui a besoin de la librairie jQuery de gstatic.com, hein, vraiment? Et bon, je pourrais passer beaucoup de temps à décrire des incidents rigolos par rapport à la blocklist, mais c'est pas le thème principal aujourd'hui. Mais bon, j'ai dû me la réserver à résister, donc quelques autres. D'abord, Pornhub, un des pionniers, qui a utilisé une procédure légale pour débloquer le site web qui avait été précédemment bloqué. Et ce combat légal nécessite d'être apprécié. Ensuite, Roskamnader aime beaucoup TCPDump, ça c'est clair. C'est la seule manière d'expliquer comment les listes de révocation de certificats de commande de CA ont pu être bannies. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de dommages collatéraux et des problèmes de débogage. Et le Roskamnator doit aussi avoir un certain sens de l'humour où il doit leur manquer des tests de sanité des données car ils ont même bloqué l'adresse de loopback pendant un moment. Bon, comme dit précédemment, le Roskamnator moniteur que les fournisseurs d'accès sont effectivement en train d'implémenter le système. La loi, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est l'amende. Du coup, en 2016, cadeau de nouvel an pour les fournisseurs d'accès, un petit routeur basé sur OpenWRT sur du TP-Link, qui a été hacké par un hacker russe assez célèbre, et les API des systèmes de remontée de mesures du Roskamnator, il s'est rendu compte qu'elles étaient accédées sur un canal HTTPS, mais sans validation de certificat, probablement en raison de la petite taille de la plateforme. Et il y avait du SSH, mais pas de whitelisting des autres connus. Du coup, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il n'y avait pas non plus de vérification du fichier non-host. À cause de ça, c'était possible d'insérer des screenshots de cyber trash sur le pipeline d'entrée de ce mystère. Et si cette attaque a réussi, voilà l'image qu'ont vu les censeurs dans leur back-office quand ils regardaient les captures d'écran des sites web qui étaient bannis. Alors, le vrai problème de ce système de monitoring, Revisor, c'est que c'est une boîte noire, au moins du point de vue des fournisseurs d'accès. Ce n'est pas documenté publiquement. On ne sait pas quel genre de comportement cette boîte noire a. On ne sait pas quel genre de filtres sont suffisamment bien réalisés et lesquels ne sont pas suffisants et conduisent à des amendes. Et le gouvernement, du coup, a publié une FAQ pour Revisor pour aider les gens à être en règle avec les règles et éviter les amendes. Alors, quelques fournisseurs d'accès ont décidé de mettre ce système de filtrage dans une sandbox qui avait du filtrage bien plus fort que ce que les utilisateurs attendaient. Et donc, cette idée de mettre une sandbox a été beaucoup discutée et c'est en même devenu le logo d'un canal Telegram semi-officiel qui servait à discuter des problèmes de communication entre les ISP. Et quelques fournisseurs d'accès ont décidé de dire que ils étaient en règle. Et pour ça, ce que je voulais dire, c'est que dès que la boîte noire utilisait une adresse IP pour vérifier si c'était si ça devait être bloqué ou pas, et bien du coup, certains fournisseurs d'accès ont commencé à donner des records A de DNS
directement à leur black box. Et ça, ça permettait du coup, pour des gens qui avaient des noms de domaine et qui étaient malicieux, de manipuler ces adresses IP. Donc on a eu des attaques DNS provoquées par ce révisor, notamment du trafic bloqué avec des domaines, des dommages collatéraux. À partir du moment où alors, on a des fournisseurs d'accès qui ont carrément envoyé leur trafic directement sur ces box de monitoring pour augmenter le trafic de DPI. Donc, la situation est assez grise. Finalement, on peut se retrouver avec des règles de routage qui prennent le dessus sur ce qui devrait être la situation normale quand on est sur des peerings qui ne sont pas validés. Et dans le pire des cas, on a carrément des grèves des routeurs. À partir du moment où on se met à faire pointer des adresses IP bloquées vers des IP très lointaines, ce qui remplit la mémoire des tables de routage des routeurs. Donc tous ces incidents se sont déjà passés et apparemment tout le monde s'en fiche. Alors, je suis désolé si cette partie récapitulative historique a pris trop longtemps, mais c'est important que je présente le système de filtrage en Russie. Et donc, l'histoire sur Telegram commence ici, c'est quand le policier rentre dans le jeu. Alors, pourquoi Telegram? Pourquoi est-ce que la Russie voulait bloquer Telegram? C'est assez facile à comprendre. Quand des terroristes veulent mettre une bombe dans le métro de Saint-Pétersbourg, ils utilisent Telegram. Et il y a aussi d'autres exemples, comme par exemple... Si on en écoute l'autorité de régulation de la vidéo de la Russie, les terroristes utilisent Telegram. Donc Telegram a été ajouté au registre des distributeurs d'informations. Et à cause de ça, Telegram doit obéir à la loi. Et pour ça, il doit permettre de déchiffrer, en quelque sorte, les contenus. C'est un peu vague. En vertu du registre des distributeurs d'informations. Dès lors, Telegram a dit qu'il n'allait jamais délivrer les clés ou rajouter des portes dérobées. Donc le FSB a commencé à porter plainte et finalement il y a eu des cas en justice qui ont été perdus, mais c'est des cas, c'est des cours russes, donc ça a été escaladé. Et le 16 avril, le point clé, c'est que le Roskomnadzor a essayé de se mettre à bloquer Telegram. Et ainsi, la première guerre civile russe cyber a commencé. Mais il nous faut un peu plus de contexte. Donc Telegram n'était pas le premier messager à avoir été apprécié des terroristes. Donc... D'autres systèmes de messagerie avaient été utilisés par des dealers de drogue, ça s'appelait Zello. Et en 2017, le gouvernement russe a essayé de bloquer Zello, elle n'a pas vraiment réussi. En mars 2018, on raconte que le Roskomnadzor a entrepris une expérimentation sur des nouvelles techniques pour bloquer Zello. Donc, dans ce processus, ils ont filtré jusqu'à 16 millions d'IP d'Amazon en utilisant du null routing. Je ne sais pas trop ce qu'ils voulaient faire avec cette expérience. Je ne sais pas si la fuite de route était authentique, mais cette publicité a fait beaucoup parler dans les médias et il n'y a plus de rapport qui voulait confirmer l'existence d'une telle expérience. De plus, des personnes ont correctement illustré la manière dont le Roskomnadzor n'est pas très efficace à essayer de bloquer tout ceci et leur manque de technicité. Pour en revenir à Telegram, le lundi 16 avril, le Roskomnadzor commence à bloquer les sous-réseaux de Telegram, enfin certains. Donc, fallait s'y attendre, ça n'a pas d'effet détectable. Du coup, Roskomnadzor a tout donné, s'est mis à bannir Amazon, mais Telegram fonctionnait toujours. Un peu plus tard, Roskomnadzor s'est rendu compte que certains réseaux n'avaient pas été bannis depuis le début, mais ça ne les a pas beaucoup aidés quand ils se sont mis à le bannir. Donc, à peu près 2 millions d'adresses IP d'Amazon, de Google, étaient bannies à la fin de la journée. Donc,
Telegram tournait toujours, mais l'internet de manière générale, c'était pas trop ça. Enfin, depuis la Russie. Internet fonctionnait, mais les gens en Russie se plaignaient beaucoup sur Instagram, sur Steam, sur World of Tanks, World of Ships, Twitch, YouTube, Google, Gmail, etc., etc. Donc, en gros, tout le monde jurait, insultait le Roskomnadzor à la fin de cette première journée de guerre civile cyber. Mais finalement, le lendemain, tout le monde a cessé de jurer quand le nombre d'IP bannis a été multiplié par 10. Donc, tout le monde est rentré en mode suspicieux, il n'y avait plus d'insultes à ce stade. Et à peu près tous les outils en ligne étaient bloqués, cassés, et des millions de domaines étaient affectés. Donc, entre-temps, le Roskomnadzor a annoncé que aucun service web significativement important n'avait été affecté. Alors, du coup, quand on a regardé comment marchait cette ligne, on a vu que les gens qui implémentaient ce ban avaient l'air d'être très stressés pour faire ça. Par exemple, ils étaient tellement pressés qu'ils avaient bloqué plusieurs ranges d'IP deux fois. Ils avaient des subnets qui se recouvraient les uns les autres dans leur blocklist signée qu'ils distribuaient en ce mois d'avril. Alors, le truc, c'est certains filtres pouvaient supporter ça, mais certains des sites, des scripts qui n'étaient pas capables, qui ne bloquaient pas, mais qui faisaient statistiques, eux n'étaient pas capables de gérer ça. Alors, on avait aussi des exemples, par exemple, d'URL mal formées qui ont été ajoutées à la blocklist. Et certaines URL mal formées ont causé plusieurs implémentations de filtrage à ne pas marcher. Et ça fait que les nouveaux subnets et les nouvelles URL qui devaient être bloquées avaient été rejetées. Mais apparemment, alors, c'était juste une erreur de la part d'un employé du Roskomnadzor. Pendant ces premiers jours de cyberguerre, le Roskomnadzor a distribué des documents, des whitelists de services utiles pour la société, dont Google. Donc, ce sont des services qu'il ne fallait bannir sous aucun prétexte. Le problème, c'est les dommages collatéraux. Malheureusement, il n'y avait aucun cadre juridique pour ce genre de dommages collatéraux. Du coup, les médias ont eu vent de ce problème, et c'était quelque chose de nouveau pour la Russie. Enfin bon, le mantra concernant les services utiles pour la société a continué d'être répété, mais par exemple, les services de publicité ou d'analytics de Metrics, de Yandex, ont été bannis. Et Vkontakte aussi a été affecté, le réseau social le plus populaire de Russie. Donc cet incident a duré quelques heures et ça a vraiment montré que le Roskomnadzor bossait tout le temps et que le Roskomnadzor aime beaucoup rajouter des adresses IP dans la blocklist sans vraiment analyser avant l'effet que ça peut avoir. Alors, un autre effet que ça a eu, ça a été le fait de bloquer tous ces sites-là. Mais en même temps, Roskomnadzor publiait des communiqués de presse qui étaient très précis, qui disaient par exemple que Google Play, Google Drive et Google.ru n'étaient pas bannis. Alors, bien sûr, nous, dans notre laboratoire, on était heureux d'entendre ça. Parce que c'était une affirmation qui était précise et l'avantage des informations précises, c'est qu'on peut les réfuter facilement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des news officielles qui venaient de sources officielles. Et ça, c'est dans l'époque des fake news, donc c'est intéressant. Puisqu'il y avait des centaines d'adresses IP de domaines de Google qui envoyaient du trafic au serveur de nom de Google. Et quand on a checké ça contre les blacklists, et ben on s'est rendu compte que les médias adoraient les fake news, les fausses informations. C'est assez intéressant de constater qu'on avait plus d'un cluster d'IP bloqué. Bon, peut-être que d'un point de vue d'analyse de trafic, ça fait sens, mais ça explique peut-être pourquoi une partie des polices de caractère de Google n'était pas accessible alors que d'autres fonctionnaient. Et une autre réalisation qu'on a faite en avril, quand on a regardé les probes RIPE qui observaient ce qui était filtré en allant taper des adresses choisies au hasard dans des subnets des sous-réseaux filtrés et afficher ça sur un dashboard. Et on s'est rendu compte qu'il y a des fournisseurs d'accès qui ont pratiqué actuellement la résistance. Donc,
les gros USP, les gros fournisseurs d'accès qui sont too big to fail, se sont mis à utiliser la non-conformité à la loi comme avantage concurrentiel, quitte à risquer de l'amende. Mais des membres de la communauté des fournisseurs d'accès Internet, pour des raisons qui m'échappent, n'apparaissent pas sur ce dashboard. En tout cas, en ce qui concerne Ross Telecom, qui a la majorité du marché broadband B2C, la compliance reste partielle. Il bloque partiellement le trafic, uniquement du trafic HTTP et HTTPS. Par exemple, SSH fonctionne sans problème. Et encore une fois, c'est un fournisseur d'accès qui appartient à l'État, qui a un tiers des parts de marché. Donc voilà un exemple d'obéissance délayée. Donc le blocage a été retardé de, mettons, 5 jours pendant l'implémentation de la solution de blocage. Unblocking was perfectly timely. Le déblocage, par contre, a été fait directement. Alors, il y a bien sûr, quand le Telegram est bloqué, des gens qui se mettent à utiliser des proxys ou bien Tor pour accéder à Telegram. Et bien sûr, il y a eu des articles pour expliquer ce qui se passait, et Roscomazor n'était pas fan de ça et a décidé du coup de se mettre en chasse des proxys puisque les gens utilisaient ça pour accéder à Telegram et Roscomazor ne voulait pas ça. Alors, les gens ont commencé à se dire que c'était possible que des outils d'interception de données étaient utilisés pour trouver les proxys. Et on a eu des articles qui ont mis en évidence l'utilisation de ce genre de sniffer. Alors, il y a eu des statistiques qui ont été exposées publiquement, et dans ces statistiques de trafic qui étaient publics, il y avait une section qui était le volume de trafic vers Telegram. Et sur cette page de statistiques qu'on a nous collectée, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain volume de trafic, 20 gigabits par seconde, qui continuait à aller vers là. Donc, on a analysé ce trafic avec Shodan et on s'est rendu compte que sur ces trafics étaient vers des réseaux FTP, des serveurs FTP, et qui étaient surtout du téléchargement. Mais ce qui était bien pire, c'est qu'il y avait certaines de ces instances qui fuyaient des données, notamment les clickstreams de certains utilisateurs ou des données personnelles. Et bien sûr, toutes ces données étaient disponibles sans aucune authentification. Donc, comme on est des bons citoyens, on s'est dit qu'on allait signaler ce problème aux vendeurs de cet équipement pour qu'ils puissent corriger le problème. Alors, j'ai pas eu de réponse, mais quelques instances ont été sécurisées correctement dans les semaines qui ont suivi, mais certaines non. Donc, à cause de cette information qu'on a eue, on a pu avoir quand même des preuves que certains de ces équipements étaient utilisés pour bloquer Telegram et trouver les proxys. C'est en partie pour ça que Telegram, l'utilisation n'est pas révélée, puisque juste parce que les subnets étaient bloqués. Une autre histoire de Telegram qui est assez intéressante, c'est qu'il y a eu des manifestations puisque Telegram était bloqué. Et c'est la première fois en fait en Russie qu'il y a eu des manifestations à cause d'un service en ligne qui était bloqué. Ce meeting était prévu la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai à Saint-Pétersbourg. Et le 28, le samedi avant le meeting, un certain nombre d'adresses IP bloquées, ce qui était à 19 millions, ça a été réduit à 15 millions. Alors, on n'est pas sûr si ça, c'est à cause de l'activité de la société. Peut-être que c'est une coïncidence, on ne sait pas. Mais on a supposé que l'attention des médias a peut-être aidé à réduire les dommages collatéraux causés par les blocages de subnet. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire quelques tests. On a décrit avant comment les attaques sur DNS ont permis de bloquer d'autres sites au niveau des ISP, des fonctions d'accès. Et une des choses qu'on a pu voir suite à ça, ça a été un graphique qui montrait le nombre d'adresses qui étaient bloquées par un fournisseur d'accès. Si ce graphe va vers le haut, ça peut être une indication d'une attaque DNS comme on a vu avant. Donc, moi, j'ai déjà avant enregistré des domaines qui avaient été bloqués avant pour faire quelques mesures, pour pouvoir présenter ça, par exemple, au Parlement. Et ces domaines étaient toujours actifs. Donc, j'en ai pris quelques-uns et je me suis dit que j'allais faire des attaques. J'ai fait un script pour mettre à jour la zone.
et je pouvais mettre à jour cette liste avec un certaine fréquence, et ça m'a permis de déployer en morse quelque chose qui disait résistance digitale. Alors ça n'a pas suffi à avoir une réponse du gouvernement. Une réponse pour ça, c'est peut-être que la performance était liée à meeting de l'opposition de Alexei Navalny qui avait lieu à peu près en même temps, et on est parti sur cette hypothèse et on a continué avec ça. Ensuite, il y a eu un peu de drama qui est ajouté. Par exemple, il y a eu un compte à rebours de 5 à 0 sur notre graphique. Et une fois que notre compteur à rebours est arrivé à 0, on a envoyé un message qui était aussi sympathique qu'avant. La Russie célèbre le jour de la radio, qui est une fête publique. Et ce jour-là, on a envoyé ce message qui est un message, une salutation célèbre pour ce jour-là, qui est Truly Popov. Donc, et ça a eu un peu d'effet quand même. Ça nous a permis de réduire le nombre de domaines dans la blocklist. Donc on a eu un peu un fade-out, ça s'est dissous petit à petit. Mais on a aussi vu qu'il y a eu des problèmes. Comme par exemple, Roskunov a banni le TLD, qui était juste l'ampersand, le e-commercial. Et on a pu voir quand même que le nombre d'IP a été réduit de façon significative, et aussi que les domaines qui avaient été expirés ont été enlevés de cette liste, ce qui a limité la possibilité de faire des actes DNS. Donc, il y a eu pas mal de nettoyage, mais la maintenance persistante était toujours là. C'était probablement assez embêtant à gérer pour eux. En tout cas, le résultat, c'est qu'il y a eu un recul partiel. Donc, des gens ont fait des statistiques sur les IP qui restaient bannis après tous ces débannissages. Et il restait à peu près 3,7 millions d'IP. Et des gens se sont mis à dire que le Roskomnadzor utilisait des tactiques de terroristes en bannissant les terroristes de Telegram. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des restes de dommages collatéraux qu'on pouvait expliqué par l'action de gros acteurs sur l'internet. Donc une lettre ouverte a été envoyée au Roskomnadzor par des gens comme Slack, Jitsi, OpenDNS, Netlify, etc. Et également des Américains. Et cette lettre est également envoyée à des correspondants légaux du Roskomnadzor. Il y a eu une réponse. Et bon, peut-être que ces réseaux sont hostiles, mais voilà la face cachée de la guerre civile cyber, qui n'est pas terminée, qui s'est juste refroidie. Donc, on s'est mis à throttler de manière sélective les protocoles. Donc, Telegram peut parler SOX 5 sur certaines versions. Il y en a d'autres. Donc, Telegram parle le protocole MT Proto sur du SOX 5. Donc on s'est rendu compte que ces protocoles n'étaient pas tous trustlés de la même manière. Et en regardant ce que donnait du trafic sur un Netcat Random ou sur de l'OBFS4, ils se sont rendu compte que c'était également trustlé. Par contre, du HTTP Xore avec du RC4, ça passait, ou du SOXAX, ça passait. Donc c'est assez clair que c'est un traffic shaper qui cible en particulier au BFS4 et d'autres transports camouflés. Ça veut aussi dire que le camouflage est exactement important quand on design un module de transport en plugin. Alors, on s'est ensuite rendu compte qu'il y avait aussi des proxys qui opéraient sans avoir de panning aléatoire, et eux étaient bloqués, ceux qui avaient du panning aléatoire ne l'étaient pas. Donc ce qu'on a pu remarquer ici, c'est si on envoyait juste des paquets sur un port TCP, il y avait quelque chose qui n'était pas bien du tout dans ce système, c'est que les ports qu'on utilisait pour nos tests étaient ajoutés à des listes de blocage dynamiques pour quelques heures. Donc nous, on est parti de l'idée qu'il y avait une vulnérabilité qui était visible là-dedans, parce que ça pouvait être utilisé même depuis le JavaScript. On aurait pu causer ces choses-là pour être bloqué. N'importe quel IP port pourrait être bloqué directement. Donc on a décidé de publier ça immédiatement. Et il y a eu un article sur Reuters quelques mois après qui a indiqué qu'effectivement, ce genre d'expérimentation avait eu lieu. Donc je ne sais pas trop si ces expérimentations sont légales, mais certaines personnes considèrent ça comme une zone grise. Sur les problèmes de mise à disponibilité des proxys. Alors, d'abord, l'utilisateur se connecte à un proxy en SOC 5.
Et il reste connecté pendant peut-être une demi-heure. On essaye pendant une demi-heure pour voir si c'est disponible, d'essayer de trouver quelque chose. Et si toutes les vérifications sont OK, cette adresse IP va devenir blacklistée, puisqu'on a envoyé du trafic pendant à peu près une demi-heure pour causer ce blocage. Alors, il y a des gens qui ont remarqué ça et qui l'ont indiqué dans les médias, mais la partie la plus intéressante arrive. On a fait des expériences pour essayer de reproduire cette manipulation de blocklist qu'on pouvait faire avant. Et ça, moi, ça m'a permis de faire cette expérience que je pense est extrêmement importante. On a pu mesurer le délai en utilisant nos probes de mesure du RIPE Atlas. Et ça, ça nous a permis de faire des mesures très intéressantes. On a eu un indice qu'on nous a donné qui était qu'il y avait deux types de fournisseurs d'accès en matière de réaction au changement de la blocklist. Certains commencent à bloquer les adresses IP avant même que la nouvelle blocklist en XML soit livrée par les API, et d'autres non. Alors, bloquer avant, ce n'est pas forcément un crime. Il y a d'autres sources de choses bloquées, comme par exemple la liste des matériaux extrémistes fédérales. Et il est possible aussi qu'il y ait des blocklists régionales. Mais ça, je ne sais pas non plus. Alors, il faudrait demander à Senia, qui est peut-être aussi dans cette pièce. Et aussi, on avait des indices qu'on recevait de la région du Caucase à propos d'autres façons de bloquer. Mais ce qu'on peut dire avec avec confiance, c'est que des choses étaient bloquées avant que la liste officielle soit publiée. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait une forme de course entre les forces d'accès pour bloquer. Et ça, c'est toujours le cas maintenant. Donc quoi qu'il en soit, c'est la Fédération de Russie. On y est presque. Comme vous savez, l'histoire de la Russie, ça résume en « et là, les choses sont devenues pires ». Donc, il y a quelques semaines au Parlement, une loi est passée qui devait faire en sorte que les fournisseurs d'accès reçoivent de l'équipement anti-menace gratuitement et qu'en contrepartie, ils doivent les déployer et l'utiliser. Et ça va servir également d'un filtre. Dès lors que ces filtres sont déployés, ils n'auront plus à acheter leur propre filtre. Et là, je me suis dit, la note dit que le Roscommunador sera capable de contrôler directement le routage et le DNS. Et ça fait peur. On a déjà vu le niveau de compétences techniques et l'absence de vérification, de validation, et les erreurs déjà mentionnées. Et la centralisation du pouvoir et du contrôle qui peut être abusé sans aucune transparence. Donc le luxe d'une liste XML signée, c'était déjà bien. On a aussi une liste de tous les câbles internet et de tous les uplinks qui traversent les frontières russes pour être sûr que la Russie est correctement protégée. Donc j'aimerais remercier énormément de personnes et de groupes qui ont rendu ça possible. Dmitry Belavsky, Vartan Khachaturov, Dmitry Moskin, Dmitry Morozovsky, Simon Basso, Maria Tsinov, Moritz Bratl, Leak to Blacklist Maintainer, St. Petersburg CTF Team, Roscom Svoboda NGO, Digital Resistance Measurement Squadron, The One Who Is to Blame, all the Revisor System Funds, NAG Community, RIPE Atlas, and all the relatives and colleagues who et tous leurs amis et collègues qui m'ont aidé à survivre alors que je faisais aussi des fois d'autres choses vraiment de manière assez féroce pendant toute la journée. Et j'aimerais aussi remercier le caractère têtu de Pavel Durov qui a permis de garder cette histoire amusante à raconter. Et je vous remercie aussi, vous. Merci Léonide pour cette excellente présentation. On a quelques minutes qui restent pour les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au micro. Et si vous écoutez cette traduction en direct, vous pouvez les poser sur IRC, serveur Akint, canal 35C3, Hall A. Première question. Bonjour, merci pour cette présentation. Pendant toute la situation de blocage, j'ai entendu donc que Telegram était toujours accessible depuis la Russie. Est-ce que vous savez si ça fonctionne actuellement ? Ah, ça marche tout à fait, ça marche parfaitement. Il y a quelques fournisseurs d'accès qui font un peu de zèle et chez lesquels ça marchera peut-être un peu moins bien, mais les proxys marchent, Telegram marche. Par exemple, sur Rostelecom, comme je l'ai mentionné avant, n'obéit même pas à ces blocages de subnet qui bloquerait Telegram. Donc, une question d'Internet. Donc, quelqu'un dit sur Internet que Telegram a eu une déclaration canari sur sa page vie privée qui indique
qu'aucune donnée privée avait été divulguée à des tierces parties, y compris gouvernementales, et dit que cette déclaration a disparu. Est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, je ne suis pas au courant de ça. Et ensuite, je pense que c'est pas... Je pense pas qu'il faut qu'on soit paranoïaque à propos de ça, parce que mes attentes, c'est que c'est juste une erreur aussi, parce que l'équipe de Telegram a, je sais pas, j'imagine qu'ils ont écrit quelques morceaux de logiciel qui sont pas forcément très bien. Par exemple, le client Telegram a pas forcément de tentative de répétition exponentielle. Et donc, ça peut poser pas mal de problèmes. Donc, je ne serais pas surpris si c'était juste une erreur de Telegram, de leur webmaster, qui aurait supprimé la page comme ça. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas. Je ne sais pas. Après, moi, je ne fais pas partie de l'équipe Telegram. Si l'absence de compétences vous inquiète, est-ce que vous ne devriez pas vous mettre à travailler pour le gouvernement russe ? Je ne sais pas. Peut-être. Alors, j'habite toujours en Russie et il y a beaucoup de gens très bien là-bas. Et je pense pas que c'est le pire gouvernement qu'on ait eu le siècle passé. Donc, des fois, les choses empirent, mais des fois, les choses s'améliorent aussi. Et je sais pas où est-ce qu'on est là maintenant, mais il y a certains de mes amis qui sont paranoïaques et qui cherchent un asile politique hors de la Russie. D'autres de mes amis sont très heureux de vivre en Russie, donc je ne sais pas. Oui, bonjour Léonide. Merci pour ces merveilleuses présentations, j'ai vraiment apprécié. J'aimerais juste demander, nous, en tant que les Allemands, est-ce qu'on pourrait louer ton expertise quand on a des problèmes du style Sirius qui bloque des choses en Europe centrale ? C'est possible ? Alors, la première chose que je voulais dire ici, c'était pas de me plaindre de Roskomnadzor, c'était de montrer à des cas quand les choses ne se passent pas comme prévu à cause des filtres sur Internet. Donc, c'était ça mon but. Je ne suis pas 100% sûr de si ça répond à ta question complètement, mais je pense que ça y répond. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous pensez que la Chine a plus de succès dans la censure de l'Internet que la Russie ? Alors, la question est... Pourquoi est-ce qu'en Chine, on peut bloquer plus facilement sur Internet ? Alors, je ne suis pas sûr que la Chine ait tellement plus de succès techniquement. Peut-être que c'est le cas, mais il y a une chose très importante. C'est qu'il y a beaucoup de gens en Chine qui parlent chinois et qu'ils ont un Internet chinois gigantesque qui peut servir des milliards de personnes, enfin un milliard de personnes et quelques. La Russie, c'est un marché beaucoup plus petit. On a pas mal de contenu local bien, mais la quantité de contenu local ne peut pas être comparée à ce qu'on trouve en Chine. Donc je pense que c'est peut-être aussi que les utilisateurs chinois n'ont pas aussi besoin de marcher autour de la censure et que c'est pour ça qu'on pense que la Chine a plus de succès. Il y a un de mes amis qui travaille avec des usines en Chine. Et quand il voyage là-bas, il dit que passer outre le filtre, c'est pas un problème. Tous les gens qui veulent passer outre le filtre en Chine le font sans aucun problème. Donc moi, je sais pas, je ne voyage pas en Chine, mais je fais confiance à Zos Kodo. Salut Léonide, merci pour ton travail intéressant. Une question de ma part. Est-ce que tu as eu des problèmes par rapport à ce travail vis-à-vis des autorités ou des services ou... Est-ce que quelqu'un s'est senti attaché ou offensé ? Alors, je dirais pas que j'étais attaqué. J'ai eu des officiers du FSB qui sont dans mon carnet d'adresse sur WhatsApp et qui m'ont parlé, qui m'ont demandé de leur expliquer, peut-être de leur faire un cours sur comment marche Tor ou des choses comme ça. Donc, c'était pas offensif. Ils étaient amicaux, donc pourquoi pas. Hein, c'est de l'éducation et je pense que c'est important que les policiers soient éduqués sur ces choses-là parce qu'ils font pas uniquement de la répression. Ils font aussi des choses qui doivent être faites pour le maintien de l'ordre. Donc, je ne sais pas. Jusque-là, moi, ça va. Peut-être que un jour, ça ne sera plus le cas, mais jusque-là, je ne sais pas. Une dernière question. Bonjour Léonide, et merci beaucoup pour cette présentation. J'ai entendu une opinion populaire disant que, après avoir fait ceci, il vaudrait mieux que vous ne retourniez pas en Russie.
Pardon, vous pouvez répéter ? C'est peut-être mieux pour vous de ne pas retourner en Russie après avoir fait ce genre de présentation ? Il y a des gens qui pensent ça, mais... donc, moi, quand je faisais cette blague avec le code Morse, là, j'ai quelqu'un de Roskomnadzor qui m'a envoyé un message par Telegram qui m'a dit qu'il vaudrait mieux que je ne revienne pas. Alors qu'à ce moment-là, j'étais sur le chemin du retour de Biélorussie vers la Russie. Et personne ne m'a menacé, donc je sais pas, on verra. Je suis plutôt optimiste. Ok, merci beaucoup à Léonide pour son courage et pour cette présentation excellente.